Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Kai et je vous retrouve sur, sur Victoria 3 avec les Grecs. Et donc je vais tenter un truc. L'Égypte a une énorme armée. Sauf que leur marine n'est que 30 navires. Moi, ma marine, elle est de 6 navires, d'accord, putain la loose. Je vais tenter un coup. Tenter un développement un peu de ma marine, histoire que ça ressemble à quelque chose. Et j'ai tenté justement le coup de débarquer sur la crête, prendre la crête et rester à glander sur l'île en attendant que le score de guerre s'accumule. Accepté. Je vais demander à rejoindre une douanière, c'est con. Oh là là! Tout de suite là, ça va mieux. On finit à la base navale et après, hop. Bon, voilà, c'est mieux que rien. Je tente le coup, je tente le coup. C'est quoi? Oh, la Russie se rapproche de moi! Une obligation à l'Autriche. Très inquiet, tu m'étonnes. Bingo! Allez, regardez! Bon! On va essayer de restaurer l'Empire byzantin. Byzance sera restauré, il manque plus que une, deux, 3, 4 provinces. 5, 6, 7 et 8. Ouais, je suis encore loin. Il y a 4 sur 12. Vous voyez, c'est tout ce qui manque, les gens. Mais bon, l'Egypte, vous avez vu, l'Egypte a plié, ça y est. La Crète, on va pouvoir d'ailleurs. Bah, c'est déjà incorporé en plus. J'ai ramené une rémunération avec l'Egypte parce que, vu le coup que je viens de lui faire, là. On prend qu'elle fasse un peu la gueule. Qu'est-ce que je peux faire d'ailleurs? Non, je vais pas vous ramener le servage, sert de question. On va mettre. On va faire le vote des riches, ouais. Ouais, c'est pas demandé, y a personne qui exige vraiment ces grosses réformes là. Celle-ci pourrait être intéressante, mais. Oh bah, ça fait pas rêver. Là, il y a un casse-cou qui m'appelle. C'est quoi? M'excusez, je réponds aux ondes. Non, m'excuserai pas. Ce con a pas. Bon, c'est un mot que je savais pas. Du coup. Allez, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? École privée, école publique. Ah ouais, voir l'exorthodox va gueuler.
Non, ben, on va rien faire d'autre pour le moment. Je veux dire, on a fait déjà un magnifique succès à récupérer la crête sans aucun combat. La frontière serait bien qu'elle soit ici. Après, l'Empire Ottoman, je suis déjà en train de faire bouffer, donc... Et le frontière ici avec l'Egypte? Non, il n'y a pas de frontière avec l'Egypte, en plus, si on prend Uda Vedingar. Je vais pas courir le risque pour le moment. Pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est juste qu'on va gentiment... bâtiment... levure chimique. Conserverie, parfait. Oh, à l'embout à colonne, voilà. Allez, regardez toute la production qui va exploser d'ici peu. Rural, c'est agriculture avec rendement. Là, on a les outils de récolte. Abattoir, parfait. Les scieries. Normalement, l'argent devrait bientôt arriver à flot. Regardez, ça monte, ça monte! Grâce au marché anglais qui consomme beaucoup de ressources de base. Putain, je pourrais être un protectorat de l'Italie aussi. Putain, la Grèce vassale de l'Italie, ça ferait chier de venir à l'Empire romain. Banque disponible, plus de monnayage et moins de 2 taux d'intérêt. Parfait. On pourrait construire un truc important. 1,16. 1,05. Et c'est fait dans 10 semaines. Avec d'outils. Ouh, ça peut être intéressant. 3,5. Les trucs alimentaires. La scierie, c'est 1,16. Mais l'industrie alimentaire, franchement, ça peut rapporter gros, franchement, dans le pays. Une bonne cuvée. On produit plus de vin. Plus de vin produit, c'est-à-dire plus de vin qu'on peut vendre. De gains par semaine. Dans 4 semaines. Soit plus que vu que c'est un état qui est revendiqué, il est déjà incorporé le machin, donc il n'y a pas besoin de claquer des points de bureaucratie. Donc ça commence à... La Grèce commence à ressembler à quelque chose en fait. On est en 1851, hein. Ça fait seulement... C'est seulement 15 ans qu'on joue, hein. On a un siècle. On a un siècle pour Byzance, ça fait 15 ans qu'on joue. Je pense que c'est une bonne dynamique. Là, on continue tranquillement nos progrès. Ok, allez. Rembourse ma dette, l'Autriche. Je vais être en pause, le temps de faire un peu de bif pendant quelques semaines. Je vais construire un petit bâtiment de construction. En Thessalie. Juste un petit bâtiment ici qu'on construit ça vite. On passe à 20. Rappelle qu'on peut mettre que 20 points de construction à chaque fois. Les réserves d'or vont s'accumuler un petit peu. Élection dans 25 jours. Le parti russe avec les propriétaires qui risquent de l'emporter. C'est pas trop grave. Je vais faire la rivalité avec la Serbie. Je vais en donner un protectorat, non. Donc,
Ça peut être utile le protectorat, mais ça dépend à qui. Eux, ils font un peu la gueule. On va faire ça, mais bon, il me faudrait le soutien de qui? Les élites. Et l'église qui casse ses couilles. C'est quoi, on va faire un truc? On va tenter de se débarrasser un petit peu du poids de l'église, qui est une nuisance. Il y a également surtout le problème des Turcs qu'il faut assimiler. Il faut assimiler ces épées. Réprimer, vous allez voir. Vous allez voir, je vais me débarrasser définitivement de l'église. On va les minorer, ces cons-là. Tant pis. On va faire taire le groupe de pression qu'est l'église. Bonne cuvée. Et ben, on va continuer à faire du fric avec. Mon prestige, il faut le trou, mais on s'en fout que le prestige soit bas. L'important, c'est de faire peu à peu de l'argent. Ah, les orthodoxes. Pas grave. On s'en occupe bientôt de l'église. Le monnayage, c'est dû à quoi? C'est dû à cause du PIB. Il est où mon PIB? Il est en PIB, d'accord. Également pour assimiler, j'ai vu que pour assimiler, il faut faire des écoles. Faut également pour assimiler. Alors les archives, c'est recherché. On va faire quoi? La psychiatrie, ça baisse, ça augmente l'influence, ça baisse le coût en bureaucratie des populations. Ça c'est bien. C'est quoi? On va tenter un truc. Tente un coup, hein. J'hésite à tenter un coup. Vous savez quoi, on va le tenter. Là, c'est juste vraiment que je peux pas me foirer un coup pareil. Ok, il y a la Russie, l'Autriche et l'Italie. Qu'est-ce que vous voudriez chacun? L'obligation, je l'ai déjà. Obligation, il voudrait bien. Un port de traité, où est-ce que tu voudrais ton port de traité? Je crois que ce soit pas un endroit que je veuille le prendre plus tard comme Aydin. Pourquoi pas la Bulgarie? Je pourrais prendre en plus qu'à 25 l'Albanie, la Thrace du Nord.
J'aurais demandé l'Albanie. Il y a le Rital qui soutient. Le français qui viendrait me casser les couilles. Après, c'est bien, c'est que ces connards-là... faudrait qu'ils débarquent. Je vais recruter... ce commandant, qui a l'air un commandant chevronné. Et je vais te dire, toi, ton but sera de détruire les navires qui seront près de moi. On est à l'école publique, quelle merveilleuse idée! Par contre, l'Italie qui a cassé les couilles pour l'Albanie, ça c'est... Putain, y a le français qui a rien de son cul, putain. Il va pas faire chier, là, le Frenchie. J'ai plus qu'un point. Bah, on va demander à notre cher allié de faire le sale travail pour moi. Il y a zéro troupe là, le russe. Sérieusement, le russe, mais fais pas ça. Le gros problème, c'est que on a tous les connards. Les deux connards là. Mais je veux juste voir le front. Heureusement que j'ai mis en défense, hein. Gagné par la Russie. Bon. Il avance ou pas le russe? Faut que le russe se grouille d'avancer, mon gars. Ok, il y a les... Il y a Mikhail Vorontsov qui vient d'arriver. Normalement, on va éclater les coalisés. Là, l'Italien se fait souiller. Une bonne cuvée. Toujours, on garde ça pour chez nous. Là, ça avance ou pas? On perd, on perd! Ah, l'emmerdeur, l'enfoiré. Front par Albanie. Ah, mais il s'est enfoncé aussi, le russe, là. Enfin... Mais là, sérieusement, vu l'équilibre, là. T'as plus généraux? Comment ça se fait? Ok, on voit tous ces généraux ici. Mais ils enfoncent quand même là. Il y a tout le monde disponible ici. C'est là qu'il faut avancer. C'est là et là qu'il faut avancer, les mecs. Bon, c'est quoi? Mon armée sert pas à grand chose. Le russe qui est là. Donc. Je vais le coup, 40 jours. Ça va être compliqué. Mais les alliés tiennent. J'essaie d'avancer par ici pour de manière à pouvoir aider le russe à prendre tout ça. Pas chier. Les mecs se font casser les dents là. L'italien il tente des trucs. Repousse une interception ennemie. En mer noire. Non mais on va foirer. Général, bon ben... Avance ici du con, hein. Avance contre l'Italien. Miracle.
Où sont les industries qui va me rapporter de l'argent ou pas? L'industrie alimentaire. On va tenter. Surtout, je commence à avoir du bénéfice qui rentre maintenant. Ce qui est étonnant, c'est que la France a toujours pas revendiqué la Savoie. Ça, par contre, que la France vienne me casser les couilles, ça c'était pas prévu. Putain, et même à deux fois plus de division, on se fait casser le cul. Père. Genre de coup, je vais essayer de pousser ici. Y a pas beaucoup de monde là, ça peut valoir le coup de les faire chier là-bas. L'Italie voudrait bien me faire de moi un fantoche, hein, un foiré d'Italien. Là, ça va me dire qu'on a rien de perdre. Il n'y a aucun général en face. Je suis pas par un no-name. Y'a pas honte, mon gars. Le religieux. Tu pars côté des conscrits, le russe, là, il me filait un coup de main. C'est dingue d'être aussi merdique. Excusez, par contre là, le fait de venir un pantin du Rital, ça me fait chier. Non mais je veux dire, là, il y a tous les Français, les Anglais et les Italiens qui viennent, là. C'est pas les couilles, les mecs. Faites pas chier, retournez dans vos pays de singes. Et voilà. Déjà... Et passer avec le meilleur canon, ce serait peut-être bien, non? Ça sera bien, ça. On va faire ça, et puis on va... Et voilà, on va attendre tranquillement. Juste que j'essaie en plus d'appâter peut-être l'Autriche, si jamais l'Italien et le Français viennent, faut que j'appâte l'Autriche. Force armée, qu'est-ce qu'elles veulent? Elles sont à combien? Elles sont neutres. Non, non, c'est bon, les écoles publiques, on va très bien continuer comme c'est. Notre budget... On va bâtir des trucs. Oula. Tu me fais le jeu. Salut. Pas moyen que les capitalistes investissent par eux-mêmes leur propre pognon. Faudrait que les capitalistes puissent eux-mêmes subventionner leur propre industrie, je sais con. Allez, faites du bif, rapidement. Les impôts sont encore trop élevés, faut que je me débrouille pour que les impôts soient de moins en moins élevés, hein. Faut que je baisse les impôts.
national religieux. Eh bien, le dépravé, il perd en popularité, ce qui affecte davantage sa faction. Et on va essayer d'être prudent lors de la prochaine guerre. Maintenant pour aujourd'hui, je pense. D'ailleurs, je suis con, bah oui, je suis con. Encore pour 4 ans que c'est malus de merde. Franchement, tu demandes 17 000 le problème. Et tu vois, c'est avec elle le problème. T'as fait une banqueroute, il y a 6 piges. Ton pays, ça n'est pas remis, hein, c'est tout. Débilos. Je fasse la banque centrale d'ici peu. Non. Rien à foutre. On fait des questions mixtes. J'ai perdu de l'argent parce que ces connards sont malheureux. Du coup, ce qui se passe, c'est que mon vote d'impôt sur. Ah ! Bon, pour les rendre plus heureux, ces cons-là. Faut que je. Oh, faut que je les remonte. Faut que je trouve un moyen de les remonter, ces cons-là. Donc je finis le bâtiment. Je finis ce bâtiment et après. État-major disponible, parfait. Je finis ce bâtiment et après je vais essayer de baisser les impôts de manière à ce que les gens soient plus contents et consomment plus. Plus les populations, mieux l'État se portera. Donc me relation avec l'Égyptien. Ah non, mon seul ennemi c'est l'Empire Ottoman. Je vais déclarer l'intérêt également pour l'autre région, l'Anatolie. Ça par contre le poisson maintenant ça vaut plus grand chose, l'impôt là. Je vais faire un impôt plutôt sur... à 200 pour les services, ça rapporte plus que les vêtements. Je vais baisser les taxes. Je vais caser un autre impôt sur l'opium. Voilà. Les écoles publiques sont faites, c'est génial. Restons les écoles religieuses, fais pas le chier les mecs. Faut que j'ai un industriel qui soit plus content. Allez, faut chier, hein, mais sur moins 10 accès à l'éducation, les emmerdeurs. Alors là, c'est hors de question pour l'instant. Voilà, le droit de réunion, non, personne ne veut ça. Pas à peine d'aller trop en avant, d'être trop progressiste, hein. C'est pas une bonne idée. Pour le suffrage censitaire, les paysans sont moins de 35%. Ce sont combien les paysans d'ailleurs? 54%, d'accord. Attends, c'est normal, je fais que des bâtiments industriels qui. Je fais que des bâtiments de plantation. Normal, ça fait des pécores. Peut-être faire une aciérie d'ailleurs.
Quelque part, par ici. On va être en pause. Et on va attendre que le pognon soit rentré dans les caisses. Et je pense qu'on s'arrête là pour aujourd'hui, je pense. Hein. Je vous dis au revoir, à la prochaine, et salut tout le monde. Bye bye!